De volgende panel gaat over de situatie van de realiteiten van politiegeweld in Brussel, in België. We hebben families die bij betrokken zijn, uitgenodigd die erbij zullen zijn. We hebben ook een hele beleerde en geleerde expert daarin. Volgens mij is er advocaten van meerdere van deze families. Dus het wordt een hele inhoudelijke gesprek. Dus wacht nog eventjes. We hebben daartussen beelden van een voorval die gisteravond is gebeurd van een jonge man, Monim, Marokkaanse jongen, die echt helemaal in elkaar geslagen is door de politie. Deze beelden zijn gedeeld door de broer van Monim. Dus voor journalistieke purposes nemen we aan dat we daar toestemming voor hebben. Let wel, het zijn hele heftige beelden. En het is heel moeilijk om naar deze beelden te kijken. Dus mensen, alsjeblieft, ik vind het altijd moeilijk. Ik ga iets laten zien en dan zeg ik, kijk er niet naar. Maar het zijn gewoon hele heftige beelden. Houd daar rekening mee. Bonjour, je m'appelle Mounaim. Attends, vas-y, commence. Bonjour, je m'appelle Mounaim, j'ai 19 ans. Et je me suis fait arrêter à la manifestation pour George Floyd. Et je me suis fait arrêter alors que j'étais venu pour manger. Et on m'a mis dans un van. Et on m'a laissé là 2 minutes, et après il y a cinq policiers cagoulés qui sont venus et qui m'ont tapé. Et t'ont tapé pourquoi? Ils disaient quoi? Ils disaient des trucs? Non, ils m'ont insulté et ils ont commencé à me taper. Ils t'insultaient genre de quoi? De fils de pute. Et quoi? Que genre t'étais, tu méritais de ramasser des coups? Ouais. C'est tout, ils m'ont juste tapé. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit frère. Je vous résume vite fait. Voilà, à 19h il s'est fait capter. Par des flics, donc il s'est pas appréhendé. Et le truc, c'est que donc pendant 3 heures, il était à la police. Et voilà, il est 23 heures maintenant. Et on nous appelle pour nous dire que on doit se rendre à l'hôpital parce que Mounaim, mon petit frère, est dans un état critique. Donc voilà, encore, je voulais dire, vive la police. Hein. Comme d'habitude, on se bat contre les violences policières. Et le jour même où tout le monde entier se réveille sur ces violences policières, voilà. Ça, voilà, il y a aucune morale à cela. Voilà. Après, on va se plaindre qu'on n'aime pas la police, mais moi, voilà quoi. Ça, je vous laisse commenter, hein. Partager. Merci. So thanks, Olave, for passing the mic, and we will carry on this interesting conversation. Just moving on to the issue of police brutality. So I want to start by introducing myself. My name is Bettina Guigui. I'm part of the Belgium Network for Black Lives. And so within the network, you'll find me more on the outreach and comm side. And yes, as I said, this evening, I'll be moderating this session, which is focused on police brutality. So we are joined by Ayoub Bouda, founder of Justice for Mehdi. So Mehdi is Ayoub's little brother, and he has been a victim of police brutality in Belgium a few months ago. We're also joined by Salma Benkhalifa. Please correct me if I mispronounce your name, who is a lawyer at Progress Law, based in Antwerp, if I'm not wrong. And Ali Abdi, founder of IAO's Place, which is a space dedicated to empower the unprivileged. And then finally, we have Esperance Kanda, who is a lawyer and also the cousin of Dieu Merci Kanda, one of the many victims who died due to police brutality in Belgium. So thanks everyone for joining. It's a pleasure to have you. Thanks for everyone who's joining us online and watching this this panel discussion. But I also want to especially thank Ayoub and Esperance for joining us and telling your story and reaching out to us, and also for being willing to share those stories with us. And, you know, also kind of bringing awareness and educating everyone on the issue of police brutality and the cases of your loved one. So it must have been a heavy week for you, but also for everyone. It was a week charging with a lot of emotion.
So I just want to start by asking everyone, how are you guys doing? And to please, if you feel comfortable with that, share your impression of the march of that happened yesterday in Brussels, if you were present or if you heard about it, which for me was a very historic moment. So maybe we can start with Ayoub, maybe? Ce qui s'est passé hier? Oui, voilà. Si je dis, en fait, ça a dû être une semaine très chargée, surtout pour les familles des victimes. Et je disais, je voulais commencer par avoir vos impressions et savoir comment vous allez, tout simplement. Nous, ça va. Voilà. On combat et ça va. On essaie d'aller faire le positif. Voilà. Et on essaie de donner un maximum. Maintenant, si je dois revenir par rapport aux événements de dimanche, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'était historique. Il y a quand même 10 000 personnes qui se sont tous réunies contre le racisme et pour la cause qui devait être défendue dimanche. Donc voilà, c'est émouvant. C'est bien de voir autant de gens se réunir pour cette cause-là et qu'on espère que voilà, maintenant que les gens ils vont avoir conscience du combat qui est mené en profondeur et qu'ils vont vouloir continuer à s'investir là-dedans dans le long terme. Voilà, donc c'est tout ce qui importe. Désolé, j'ai l'écouteur qui va, c'est un peu vraiment désolé. Donc voilà, maintenant, ce qu'il y avait à dire par rapport à dimanche, et j'espère que vraiment maintenant que les gens sont conscients par rapport au paradoxe qui a eu aux États-Unis, qu'il y a vraiment des injustices ici en Belgique, qu'il faut mettre la clairvoyance de tout et qui touche tout le monde, et que voilà, maintenant il y a vraiment un combat mené ici à Bruxelles et même partout en Belgique avec des moyens concrets, mais que pour ça on a besoin de la mobilisation. De la mobilisation de tout le monde, peu importe la communauté, peu importe l'âge, peu importe la couleur, que voilà, on a tous besoin de ça, en tout cas pour les violences policières et même pour toutes les nobles causes qui doivent être défendues. Ouais, donc le combat continue et surtout il doit se continuer en Belgique dans le contexte belge, quoi. Ah oui, clairement, dans le contexte belge, ce débat-là, il a toute sa place et ouais. Là, j'espère qu'on mettra la ligne. Yeah, so it's a fight that needs to be, carried on. And maybe we can move on to Selma. If you can just share your impressions of the protest that happened. And in French or in English? As you wish. I feel more comfortable in French, but I can try in English, it's as you wish. Sure. Okay, alors en français. Donc moi j'étais à la manif de hier. Selon moi, il y avait même plus que 10 000 personnes. Moi, c'est vraiment une manif qui m'a donné beaucoup de courage parce que je me sentais parfois un peu découragée. Je suis avocate depuis 20 ans maintenant et ça fait 20 ans que je me bats contre les brutalités policières. Je trouve ça très important que cette manifestation ait eu lieu devant le palais de justice. Pourquoi ? Parce que selon moi, le gros problème, c'est la justice. Et la manière dont la justice organise l'impunité des policiers brutaux. S'il n'y avait pas cette organisation de l'impunité, eh bien, ce qu'ils appellent les brebis galeuses n'auraient pas le pouvoir dans la police. Pour le moment, s'il y a ce racisme qui existe dans la police, s'il y a cette organisation de la brutalité dans la police, c'est parce que au niveau de la justice, ils sont protégés. On voit que tout se met en place dès qu'il y a une plainte pour empêcher que les gens puissent avoir accès à la justice. Et c'est ça, selon moi, le plus gros défi pour les années à venir, c'est d'arrêter avec cette impunité. Donc j'espère que cette manifestation, c'est un élément déclencheur pour aller vers un changement vraiment structurel au niveau de la prise en charge des brutalités une fois qu'elles sont commises. Voilà. Exactement. Je partage cet avis-là aussi. Is there anyone who wants to share their views on that? Est-ce que quelqu'un veut partager ou quelque chose à rajouter, Espérance? Yes, well, I think that George Floyd's death was really the last straw for a lot of people because it's been a series of hurtful events
And at this point, it was always a battle to convince the other person to understand what you were going through. And I think that now there has been a mind shift, because people who were doubting at the moment that their peers were telling them that, I experienced racism or I experienced police violence, now they have seen it with their own eyes. And that's why I feel that now we can create this allyship to move on with a bigger group towards this problem of police violence. Yes, exactly. And Selma, on parlait tout à l'heure du contexte belge. Est-ce que, d'après votre expérience en tant qu'avocate, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de ce contexte belge? À quoi ça ressemble à Bruxelles? De quelle manière ça prend forme au contexte belge et au contexte bruxellois particulièrement? Je crois que à Bruxelles, mais depuis des années, tous les jeunes qu'on appelle issus d'immigration, donc en gros les Noirs, les Arabes, les Roms, sont confrontés à des contrôles incessants, surtout les garçons. Les contrôles pour rien, c'est vraiment une fatalité, une habitude. Tout le monde a l'habitude d'être contrôlé à tout bout de champ. Et il y a une forme de... ces contrôles ne servent pas à réellement contrôler l'identité. Ces contrôles servent à contrôler l'identité quand il s'agit de sans-papiers. Mais quand il s'agit de jeunes bruxellois issus d'immigration qui ont la nationalité belge et qui sont des fois contrôlés 3-4 fois dans la journée par le même policier, en fait, il sait très bien qui c'est. Il sait qu'il a sa carte d'identité. Le but, c'est vraiment d'asseoir une autorité. Et les jeunes savent très bien que dès qu'il y a une contestation, mais enfin, pourquoi vous me demandez ma carte d'identité pour la quatrième fois ? Eh bien, la brutalité peut venir très vite. Donc, l'existence de cette brutalité, elle fait partie du quotidien. Et vraiment, quand je dis quotidien, c'est au jour le jour de la grande majorité des jeunes issus de l'immigration à Bruxelles. Ok. Donc, pour la traduction, je pense que ça serait nécessaire. Donc, in Belgium, police brutality is a reality, and it is a reality in the daily life, on the daily basis for communities that are black, but also that are racialized. Isabelle and Ali, we haven't heard from you yet. I don't know, please can you tell me what language do you prefer so that I can also make sure that everyone is included? Starting with Isabelle, maybe? Can you introduce quickly yourself and tell us what... Okay. Bonsoir, je vais parler en français, mais je pourrais faire des petites traductions en anglais sur les points importants. Donc, je me suis présentée ici comme activiste parce que je suis présente sur différents terrains à Bruxelles, des terrains où il y a du travail avec des jeunes, du terrain aussi où il y a du travail avec des personnes qui sont sans abri, qui sont parfois en exil, qui sont parfois aussi sans papier. Et une grosse partie de ce que je fais, c'est essayer un maximum de reconnecter ces différents réseaux entre eux et aussi de mettre à disposition différentes ressources. Et la ressource principale que j'ai, c'est de l'espace, notamment parce que je suis membre d'une ASBL qui s'appelle Toastand, qui justement récupère des espaces qui sont vides et en fait des centres sociaux et culturels avec les personnes qui sont présentes. Et je suis très heureuse d'être à cette discussion avec vous ici. Je suis contente aussi d'être avec toi, Ayoub. Et pour rebondir sur ce que Selma disait sur la violence de la vie quotidienne, je suis tout à fait d'accord. Et c'est, je pense, pour ça qu'on peut parler d'une violence qui est structurelle. On avait une discussion à l'instant aussi où on disait que la violence était normalisée, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont avoir des expériences avec la police et qui ne vont même pas finalement se rendre compte que c'est quelque chose, quoi, tu vois, qui vont juste intérioriser que c'est normal, en fait, ces formes de violence, en fait, tout simplement. Et justement, sur ces questions de violence structurelle, pour moi, l'idée, c'est que la violence est partout, dans nos rues,
aussi bien dans les lieux où on la voit quand il y a un contrôle de police violent que dans les lieux où on ne la voit pas, comme par exemple au parc Maximilien, comme par exemple à la gare du Midi. En fait, tu as des espaces où la police circule tout le temps. Et donc, j'aimerais qu'on puisse avoir les yeux un peu ouverts sur, en fait, c'est quoi cette police, qu'est-ce qu'elle fait comme travail finalement, quelle est cette espèce de vigilance que la police met en place quand elle tourne et tourne et tourne en rond dans les mêmes quartiers avec des populations qui sont toujours les mêmes. Tout à fait. Ali, est-ce que tu veux partager un peu plus sur le sujet ? Yes, thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Do you prefer English? Yeah, I'm going to speak in English. Okay, yeah. It's just the difference of a colonial language, so. No, it works. So, yeah, we were just talking about the police brutality in the context of Belgium, and we want, like, sharing what the reality of that is. So, was wondering if you had experience with that yourself, or what is your take on that? My take on that is honestly, whatever happens to the black body, whether it happens into the United States, or it happens in Belgium, or it happens in China, or it happens in Africa, it happens to all of us. We can all here discuss about first as an objective Black Lives Matter, which started in 2013 when Trayvon Martin was killed by Zimmerman, and the Florida law, which says you can stand your ground. So sometimes we have to bring the context from America because we were taken to America. That's the story white people created for us, taking us by ships and boats. And also we have to respect the struggle that America went through, not only because of the present Black Lives Matter led by Patrice Cooler and all the others and everybody who's doing their job. But as a historical for Black Lives, not Black Lives Matter, but Black Lives exist. Black Lives did exist and Black Lives will do exist. So in that context, let's just come to Belgium and I will answer the question that is Belgium context. There is no Belgium context. Belgium has the biggest murderer in the world. He killed 10 plus million Congolese, cut their hands for quotas. So in that sense, if you talk about the Belgium context, there's a lot of hidden illusions, there's a lot of hidden stories, there's a lot of hidden wisdom that's not told to people. So when we talk about Belgian people or say our ancestors here didn't do much, I'm not from Congo, but I'm from Africa, which Congo is part of me, and Africa is part of all of us. What we have to focus on is the system that we, Black people are suffering, brown people, black and brown people all over the world, because there is this confusion about black. The word black is a political meaning. It doesn't have to do with how brown or how dark you are. Black has different shades of colors, and we gotta love all ourselves. And we have a lot of colonial religions and a lot of colonial mentality. So that's black. Coming back to the context of Belgium, there is no context. Police brutality do exist in Belgium. And I just want to tell to everybody who's watching this, Belgium is fucking 11 million. Sorry for my language. 11 million people. America is 350 plus million people. America is 32,000 times bigger than Belgium. And Belgian police are not armed. So if that situation was white supremacy has no exclusion, it will kill us. It will kill us here and also in Belgium. So when we compare, there's no comparison. That's the reality. People die in Portugal, people die in Sweden, people die all over the world of police brutality in Brazil, in Africa, with imperialism in Africa. So Black Lives Matter, not in the context of in a situation that we black people have to come out and protest or not. No, our black people are dying by making the cell phones and the communication that we're using now. So what black lives are we really talking about? And in that context, in Belgium context, I just want to say that police has been killing people. I've been to the funeral of Mauda, and police killed Adil, police killed Lamine, police killed Mehdi, police killed a few people in Belgium. And maybe they killed more that we didn't hear about. Maybe there is more deaths because there was police gangs that were not even sentenced. There is no justice for Mauda. There is no justice for Adil. There is no justice for Mehdi. So our 10,000 people who came out yesterday was beautiful. It gave me chills. I really loved it. That was
amazing. You know, 2019, I was like, everybody say it loud, Black Lives Matter. 2020, people were saying Black Lives Matter, and that scared me, but I'm happy. In that sense, I just want to say Black Lives Matter, whether it happens here or it happens in there. We live in the colony, and our brothers and sisters, they have no water to drink, they have no transportation, they have no roads, they have no lives. So in that sense, I think this is the time for us to include every Black person. And of course, Black Lives Matter only when Black trans lives matter. Black, when also Black trans femmes lives matter. So the context in Belgium about Black Lives Matter has to be taken broadly, and it has been taken broadly, and I'm so proud that at the end of the day, we came through and every part of the society was part of it. Thank you. Thanks for sharing that. I think it's important to mention that when we talk about a Belgian context, it's not to compare, it's not to say that, you know, it's a different, but it's to make sure that, you know, we include you at locally. That they understand the reality around, but an organization that organization are already doing the work, and that people can be one in their advocacy, because I think it has been an incredible like awareness raising. What has happened in the US, it is really sad that it had to take, you know, the life of someone to come to that point. But in Belgium, I think a lot of discussion that happened this week really showed that sometimes there's a lack of understanding about you know, what is happening in Belgium, and it's great that we saw that people are able to come together, unite, but I think for the sustainable, you know, future, it's also important for sure to make sure that we understand what can be done and what is being done at the local level. So maybe I want to know actually what you can say about that, especially people who yes. have organizations. Yes. Is my sound bad? Speaking, no, at the beginning it was a little bad, but I can okay. it can better. But I heard all your questions, and yes, of so, course. What can we do maybe locally? You can pass sorry. I'm having difficulty to speak, but, to listen, to hear you, but maybe we can pass the mic to Isabelle as an activist. Yeah, yeah, exactly. Like, what is being done on the ground? Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Et comment, voilà, quelles sont les organisations qui, depuis peut-être plusieurs années, travaillent sur le sujet et de quelle manière elles ont approché ce problème en Belgique, bien sûr en prenant en considération qu'il s'agit aussi évidemment d'un problème social qui dépasse les frontières, évidemment. Merci pour la question, Bettina. Mais en fait, le truc avec le terrain, c'est que comment dirais-je ? Du coup, en fait, si jamais tu parles d'une perspective intersectionnelle, donc genre, race, classe, alors il faudrait avoir sur le terrain connaissance d'assos qui travaillent et sur les questions de genre, d'autres qui travaillent avec des publics qui sont, comment dire, racisés, et d'autres aussi qui travaillent sur des questions économiques. Je peux faire du name dropping, hein, je peux dire des noms d'assos, mais pour moi, on va parler avec des noms d'assos cash. Je sais qu'à Bruxelles, il y a la nouvelle voie anticoloniale qui existe. Il y a aussi Bruxelles Panthère qui fait un travail important sur les questions plutôt donc décoloniales et de race. Mais tu veux pas faire du name dropping parce que je sais que ce sera jamais exhaustif en fait. Voilà. Maintenant, si jamais tu veux travailler plutôt avec un public en migration, tu peux aussi juste en fait sortir de chez toi et aller faire un tour au parc Maximilien. Et en faisant ton tour plusieurs fois, tu pourras aussi discuter avec les gens qui sont dans ce parc d'une manière ou d'une autre et leur poser des questions, leur dire mais en fait qui vient vous voir, qui vous êtes, tu vois, et puis même de quoi vous auriez besoin, tu vois. Et puis, après, tu vas aussi vite arriver sur des collectifs qui sont très, très informels, des gens qui ne sont pas du tout même structurés en SBL, des gens qui sont juste là au quotidien. Et en fait, du coup, je ne vais pas continuer mon name dropping et je ne vais pas commencer à tirer des noms d'assos parce que je ne vais pas dire le tiers de ce qui existe. Et par contre, ce que je sais, c'est que si jamais tu veux être actif, alors tu mets tes chaussures, tu sors de chez toi, quoi, et tu vas faire un tour, quoi.
vraiment, tu vois. Et du coup, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, et je voulais quand même réagir sur la discussion d'avant sur Black Lives Matter dans le contexte belge. Et ce que je voulais en retenir, c'est que donc effectivement, la Belgique, c'est pas les States. Mais bon, ça, je pense qu'effectivement, on a compris. Mais pour moi, la Belgique, là où on a une force, c'est que justement, et notamment Bruxelles, c'est qu'en fait, c'est une petite ville. Donc, tu peux, avec ton vélo, sortir de chez toi. Et toutes les zones dans lesquelles d'habitude tu passes en fermant tes yeux, parce qu'en fait, il y a des hommes noirs, justement, avec des sacs à dos tout seuls. Et bien, justement, en fait, au lieu de tourner les yeux, tu peux aller dans ces zones-là et vraiment les regarder dans les yeux et leur poser des questions de, en fait, comment vous êtes arrivés ici, en fait? Et comment vous mangez, en fait? Et comment vous dormez, en fait? Genre, juste poser des questions vraiment concrètes pour se réancrer en fait un peu. Et du coup, je pense que sur la question des violences policières, c'est exactement le même débat. Si jamais tu te demandes c'est quoi la réalité des violences policières, ben vas-y, ben sors en fait. Va faire un tour à Anderlecht, va faire un tour Place Lemans, va faire un tour à Molenbeek, va faire un tour à la Duchesse de Brabant. Vas-y, regarde les jeunes hommes en fait. Regarde et juste écoute le bruit des voitures qui tournent en fait. Et puis ben, quand tu entends une voiture qui tourne de police, et ben, tu demandes aux jeunes qui sont là en train de traîner, tu leur demandes, ben, écoutez... Ça fait la combienième fois qu'ils passent aujourd'hui les keufs, en fait. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, en fait? Enfin, je veux dire, et puis d'ailleurs, quand tu vas voir tes potes qui habitent à Watermael-Boisfort, ben aussi, tu peux leur demander combien de fois par an ils entendent la police passer, tu vois. Et pourquoi la police vient? Ah, parce qu'il y a eu un cambriolage. Bon, ok, ça se comprend, mais autrement, tu vois. Voilà. Et enfin, j'aimerais juste dire autre chose sur la question du terrain. Donc à Bruxelles, on a 6 millions de mètres carrés qui sont vides. Donc on a beaucoup, beaucoup de place dans beaucoup, beaucoup de bâtiments. Il n'y a pas grand monde qui les utilise. Mais tu as quelques personnes en fait, qui se définissent comme activistes, qui utilisent ces bâtiments vides et qui réussissent dedans à créer des dynamiques de quartier, à créer des dynamiques de solidarité, à chercher de la nourriture à récupérer, qui font des petits ateliers de bricolage, qui font des petites projections. Enfin, il y a vraiment des gens qui se bougent à des petites échelles, mais comme c'est Bruxelles, tu en as beaucoup, donc ça crée vraiment des jolis mouvements. Et là, je pense par exemple à un truc qui s'appelle la MAB, la maison à Bruxelles, qui est à Botanique. Ou bien, je pense à la Bougie, qui est justement tout à côté de la place Lemens. Ou bien aussi l'allée du Caille, c'est un peu pareil, en face de Tour et Taxi. Et bien, en fait, tous ces petits espaces-là, je pense que c'est important aussi d'aller y faire un tour et de juste demander aux personnes qui sont là, bah, écoutez, mais en fait, vous faites quoi exactement? Et le dernier point que je dirais, c'est vraiment pour les jeunes, donc pour, on va dire, toute personne ayant moins de 35 ans, donc c'est assez large. Si jamais tu veux savoir c'est quoi du travail de terrain, et bien va dans ta maison de jeunes, en fait. Va dans la maison de jeunes qui est à côté de chez toi, vas-y, vraiment, et demande à parler avec les éducateurs, en fait. Demande à parler avec les travailleurs de jeunesse, et ils vont t'expliquer ce que ça veut dire. Voilà, ils vont te présenter des gens. Mais je pense qu'il y a, effectivement, si jamais tu veux sortir de ton ordinateur, il n'y a pas 1000 solutions, à part mettre tes chaussures et partir dans la rue, quoi. Génial, je pense que c'est très clair. Donc, il n'y a pas besoin d'aller ni trop loin et de toute manière, j'ai énormément parce que les orgas qui bossent sur la question sont là. Donc, ça c'est clair. Just for Ali, for the sake of translation. Isabel was answering that question and said that there's no need to go too far to actually get involved and as a community to try and raise awareness or to get involved with the organization that are working on the issue. It's just a matter of like asking the first concerned, demander aux premiers concernés aussi, and just be aware of your environment and what's already there. But pour moi, j'ai aussi une question par rapport aux familles des victimes. Donc, pour ces personnes-là, il me semble que c'est aussi difficile d'avoir accès à la justice. Et j'aimerais beaucoup entendre de Ayoub et Espérance sur ces questions-là. Quels sont les moyens qui se présentent à vous et en fait, quelle est aussi quelque part la réalité en pratique une fois que vous essayez d'accéder à cette justice-là? On peut peut-être commencer par Ayoub. Il faut que tu es mute, voilà. Mute, c'est bon. Voilà. Désolé, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est Zoom, pardon. Donc moi, pour redire un peu qui je suis, puisque je me suis mal présenté au début, voilà. Donc moi, je suis le fondateur du site. Enfin, on a créé le collectif du site. On me dit que mon frère est décédé. Et par rapport à la question, donc, qui a été tué malheureusement par la police. Et par rapport à la question que vous dites, nous, ce qui se présente par rapport à la justice, ben déjà, c'est que c'est très, il y a beaucoup de termes complexes. Les procédures, elles ont l'air très difficiles. On est très peu aidé. L'assistance par rapport à l'aide aux victimes, ben, elle est quasi inexistante, puisque c'est une assistance qui est donnée par la police, elle est inexistante.
on a très dur à rentrer en contact avec eux. Et puis après, quand on apprend comment le processus se passe, eh ben, on voit en fait que c'est très dur pour avoir la justice. Je vous donne quelques cas concrets par rapport à nous. Ben, déjà, quand il y a un problème avec la police, quand il y a la police qui est... Ben, je vais prendre le cas concret par rapport à mon petit frère, par exemple, c'est que ben, c'est la zone de police d'à côté qui a enquêté sur la zone de police qui a commis le crime par rapport à mon frère. Ben, déjà là, on a un dossier qui est un peu pollué. On sait que l'enquête elle n'a pas été peut-être faite nécessairement de la bonne manière, même si eux disent qu'ils l'ont fait de la bonne manière. Voilà, on voit par rapport à des cas concrets au PV, tout ça, que ça n'a pas été rédigé de la meilleure manière. Ensuite, nous, ce qu'on demanderait par rapport à ça, c'est qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé directement pour qu'il y ait une enquête indépendante. Mais déjà, quand le dossier est mal rédigé, ben, quand on sait que le dossier il a un parti prenant, on va dire, ben, c'est dur d'après d'arriver devant un juge et que le juge rende justice correctement quand les éléments qu'il y a dans le dossier ne sont pas… Donc voilà, et puis après, c'est aussi un combat qui est très long. Nous, on fait ça depuis 9 mois, mais j'ai appris qu'il y a des… Enfin, malheureusement, c'est quand ce drame m'est arrivé que je me suis intéressé aux autres drames. Enfin, j'en avais déjà conscience, mais je me suis vraiment intéressé à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que ben, c'est très long, ça demande beaucoup d'énergie. Et devoir faire un deuil et en même temps faire un combat juridique, croyez-moi que c'est éprouvant. C'est éprouvant. Et on a besoin d'être assisté là-dedans, on a besoin d'être soutenu. Sinon, ben, déjà, l'aspect rien psychologique de dire qu'on devra faire un combat, c'est quelque chose qui rend encore plus compliqué dire à la justice, sans compter tous les moyens institutionnels qui sont mis en place, pas directement, qui ne sont pas dit directement, qui sont très implicites, mais qu'on remarque qui nous empêchent d'avoir la justice. Voilà. Quand on vous dit qu'une enquête elle va être menée, qu'une enquête elle prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour apprendre les détails de ce qui s'est passé, et pour connaître et pouvoir commencer son deuil, c'est déjà dur. Donc, c'est quelque chose qui est très dur pour la famille, et c'est à cause de ça. Et c'est avec des éléments comme ça, c'est avec le fait que l'enquête soit mal menée et tout, qui rend la justice vraiment difficile. Et encore, moi, je parle, on en est qu'à nous, l'enquête est encore menée, on est encore en train de faire le combat et tout. Il y a des familles qui ont mené le combat et où l'affaire a été classée sans suite. Et je pense qu'eux eux connaissent vraiment les éléments pour dire voilà, c'est vraiment dur en Belgique avec telle chose de rendre justice parce qu'il y a vraiment des moyens qui sont faits pour qu'il n'y ait pas justice lorsque la police a des violences et que voilà et que allez comment dire que la police il faut vraiment des preuves, il faut énormément de choses pour incriminer la police dans quelque chose dans des faits. Et Espérance, is that something that I can imagine you also had to struggle with? C'est aussi un combat que vous avez, mais on aimerait bien entendre peut-être la particularité de votre expérience. So, it is my uncle that died in 2015. So, on the 4th of February, to be exact, he went to the police station in Anderlecht because somebody had stolen his wallet. So, he went there to declare that to the police station. So, the police said that he had drunk alcohol and that's why they had to keep him in a cell. They called his wife to tell him that they needed to calm him. And the second call that she gets is that, sorry ma'am, your husband died, you need to come quick to the police station. What their explanation was is that my uncle Dieu Merci had hanged him with his own t-shirt in the police cell. So for us, that was really, really strange story. It was a really, really strange story because after that, they also declared that he wanted to have a suicide. He wanted to have a suicide in the police station. So for us, we did not really understand how that someone that goes to the police station to declare his wallet, the theft of his wallet, one commits suicide when he's there. So there were a lot of question raising about that, and that is why we wanted to see the images. And in theory, you have this right as the family to go and see the images in the justice system. But the thing is, when we went there and we got the images, they were very, very dark, and since you cannot hear what's on the footage, we could not really see or say anything about that. So at this point, it was really, really difficult to prove and to say that the police officers who were there at the moment, that they did commit something. But what we know
even though if we follow their reasoning about suicide, is that even though something like that happened, there are two rules that you can apply at that moment. Is that that is the fact that someone cannot encourage someone else to commit suicide. And secondly, you have this kind of obligation to watch over a person. You have this obligation that when someone is in need, you need to act. And these are three things actually that we also applied in the courts. But unfortunately, as I say, it's really, really difficult to fight against the police because you have the organization called Comité P, which is an organization that that has control over the police, and it's really difficult to fight them because you know that there is not so much chance that they will say that a policeman has committed a murder or did something wrong, or at least in the past it has not happened so much. So we knew that it was going to be a very, very tough road, especially now we are in procedure for like already 5 years. And at this moment, also because of my background, I know that it's not going to end tomorrow. We know that it's probably going to take 15 to 20 years to have an answer. I'm saying this because I hope that our answer will come from the European courts, because at this moment I do not really, I'm a bit skeptical about the climate in the justice in Belgium. I think that European judges might be a little bit more sensitive towards this kind of issues. That's a very, very interesting insight, actually, what you just said. Thanks for sharing. And definitely, we all know that the road to access justice for those victims are endless often. Selma, est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui arrive souvent, ce manque de communication entre les forces de la justice dans des cas comme ça? À quel moment ça devient compliqué et quels sont peut-être les outils, je sais pas, légaux qui existent ou qui pourraient se mettre en place pour essayer de contourner ça? Je sais que c'est pas mal de questions en même temps, mais si tu peux attraper une qui te semble... C'est compliqué à chaque étape. Et c'est rendu compliqué exprès. Je suis un peu plus âgée que ma consoeur Espérance, mais elle a raison. Il n'y a aucune chance en Belgique. On va au tribunal en Belgique uniquement pour ce qu'on appelle épuiser les voies de recours internes, parce qu'il faut avoir fait toutes les étapes en Belgique pour pouvoir aller à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la seule raison pour laquelle on va encore devant un juge belge. C'est parce qu'on est obligé de faire ces étapes-là. Je remercie Ali. Thank you, Ali, for speaking about Maouda. Je suis l'avocate des parents de Maouda. Eux, ça fait 2 ans que cette petite fille est morte. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Belgique, en deux mots, c'est une petite fille de migrants kurdes qui a été tuée d'une balle dans la tête par la police. Et cette affaire a démontré que, en fait, on sait depuis longtemps qu'on a une police raciste, mais la police, c'est juste le reflet de la société dans laquelle elle est. On a une police raciste parce qu'on a une société raciste. Parce que quand la petite Maouda est morte, une gosse de 2 ans, il y a quand même eu des politiciens, des journalistes, des internautes par milliers pour dire que c'était quand même bien fait pour elle. Alors, quand on est dans un pays où des gens sont capables de dire que c'est bien fait de mourir d'une balle dans la tête par un policier, pour une gosse de 2 ans, on se retrouve dans une... Il n'y a plus de discussion possible. Comment vous voulez continuer à discuter, continuer à essayer de convaincre des gens qui vous disent « On n'est pas raciste, mais cette petite fille, qu'est-ce qu'elle faisait dans une camionnette ?» Non, il n'y a plus de discussion possible. Et
la justice, la police, c'est pas des institutions hors de la société, c'est juste le reflet de la société. Le problème, là où ça va plus loin avec la police, eh bien, c'est ce que Stokely Carmichael disait, un des leaders des Black Panthers, c'est ils ont une arme. Il disait, si un blanc veut me lyncher, je m'en fous. Si un blanc veut me lyncher, qu'il a le pouvoir de le faire, s'il a une arme pointée vers moi, ça devient mon problème. Et c'est ça la question, c'est que la police, elle est armée. Et si la société est raciste, on peut encore vivre avec, on peut encore le supporter. Mais à partir du moment où quelqu'un est raciste et est mandaté par la société pour faire pression sur une partie de la population et que ce mandat est, on ajoute à ça qu'ils sont armés et qu'ils peuvent pointer une arme vers vous, vous êtes en danger. Et c'est ça qu'il faut faire changer, c'est ces lignes-là qu'il faut faire bouger. Mais on ne pourra pas rêver d'une police qui ne serait plus raciste tant qu'on n'a pas vraiment extirpé le racisme de la société belge à la racine. Merci pour cette intervention, Salma. Et effectivement, voilà, ça, on revient au changement structurel, au changement culturel qui doit se passer. Et on espère que voilà, ce moment historique qui s'est passé à Bruxelles hier continue, comme ça a été déjà dit, qu'on ne s'arrête pas à ce momentum, si on peut appeler ça comme ça, et que voilà, qu'on puisse essayer de soutenir la cause et les victimes des familles. À ce niveau-là. Ouais, je vois que Isabelle peut-être a quelque chose à ajouter. Je t'en prie, je te passe le micro. Ouais, on va bientôt finir la session. Par contre, je pense qu'on a un peu débordé, mais Isabelle, je t'en prie. Oui, merci. Parfait. Merci pour le son. Oui, non, ce que je voulais juste réagir à ce que Salma a dit en réponse à ce que Ali a dit sur la police aux États-Unis. Donc, il y a ce mot d'ordre, un peu cette revendication qui est « defend the police ». Donc, c'est un peu l'idée qu'aux States, ils sont complètement abusés sur les moyens financiers qui sont alloués au monde, enfin, à l'univers policier, à l'univers militaire aussi. Et juste une industrie, en fait, qui prend tout l'argent, en fait. Donc, je pense qu'ici, bien sûr, cette idée de « defend the police », je pense qu'on peut se la réapproprier, on va dire. On n'a pas les mêmes montants qui sont alloués aux militaires et aux policiers, mais quand même, je pense que le truc qui est à retenir entre les deux, c'est cette question, on va dire, d'éduquer la police ou d'éduquer, même de décoloniser en fait, l'institution policière. C'est vraiment cette idée que même dans les rangs de la police, en fait, même dans leurs rangs, c'est déjà violent. En fait. Il y a combien de nanas policières qui sont victimes d'agressions et de harcèlement sexiste ? Il y a combien de policiers qui... dans leur institution, sont eux-mêmes victimes en fait de racisme et d'attaques en fait. C'est en interne déjà qu'il y a des problèmes, tu vois. Donc je pense que il y a vraiment une question à se poser sur comment dirais-je, qui sont les gens qui ont le monopole de la violence, qu'est-ce qu'ils font avec ce monopole de la violence, comment est-ce que sont formés ces gens, comment est-ce que sont recrutés ces gens. Il y a vraiment aussi un défaut juste d'information en fait. On ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur de la police. Il y a un truc qui est très très opaque en fait. Et c'est ça en fait. Comment sont formés ces gens et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que en fait des policiers, avant de devenir policiers, ils puissent avoir juste être un minimum éduqué en fait. Tu vois, il y a vraiment cette question-là. Et il y a aussi la question de l'armement, bien sûr. Est-ce que pour assurer la sécurité, il faut des drones, il faut des hélicoptères, il faut des armes? Est-ce que vraiment la question se pose? Et voilà, je pense que c'est un peu ça. C'est que la police, comme tu le dis, Selma, c'est un corps, en fait, qui est un corps d'État. Et donc, de la même manière que l'État doit, en fait, se décoloniser, s'éduquer, se dépolluer de mauvais réflexes et de beaucoup d'ignorance, je pense que c'est aussi la même chose, malheureusement, pour le corps policier.
Désolée, j'avais quelques problèmes. Oui, ce sont donc des questions super importantes à relever. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre, comme vous savez, maintenant. En tout cas, merci d'avoir rejoint cette conversation. Thanks for joining this very, very insightful conversation. I'm sure we learned a lot. And thanks for Ayoub and Esperance for taking the time to talk and share your stories. Now, we're just going to show you a short story about, I think, yesterday's protest. And then the next panel will be with activists from the US. Will give us a brief overview of the BLM uprising there. Donc là, on va vous montrer vite fait une petite vidéo et le prochain panel de discussion sera avec des activistes des États-Unis qui vont nous donner un espèce de overview, un espèce de résumé, on va dire, et de tout ce qui se passe par rapport au Black Lives Matter aux États-Unis en ce moment. Voilà, merci à tout le monde de nous avoir rejoints et maintenant, je passe le micro au prochain. Het is tijd dat deze pandemie van racisme verdwijnt. De politie moet onze mensenrechten respecteren. Wij willen de waarheid. We want Justin Trudeau to see. Say his name! On dit que le racisme n'existe pas, il existe toujours et je pense qu'on doit être ici aujourd'hui, même si ce n'est pas autorisé, c'est montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça et montrer qu'on veut continuer à lutter contre ça. Que ce soit partout dans le monde ou en Belgique, il faut que cela cesse en fait. Le racisme est dans l'institution, donc il faut que ça arrête maintenant. Depuis des années, on subit ça, maintenant on dit stop, on en a marre. Semira Adamou, étouffé. Suleiman Djamili, 14 ans, mort dans un métro. Lamine Moïse Bangoura, Mehdi Bouda, Maouda Chaouri, 2 ans seulement, tué d'une balle dans la tête, une balle de la police. Et toutes les victimes de violences policières. Ieder leven is even belangrijk. Ik wil gewoon dat er rechtvaardigheid is in deze wereld. Voilà. Il faut faire comprendre aux gens qu'ensemble, on peut y arriver. Et il faut tous s'unir. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Aussi, il faut, quand les gens ne comprennent pas, il faut leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre, mais ça doit quand même être dans le respect. Et voilà, l'union, ça fait la force, comme on dit. Voilà, c'est tout. Non justice, non peace. Non justice, non peace. Non justice, non peace. Non justice, non peace.